D'abord, partager ses analyses, ses conseils, et faire en sorte qu'avec les quatre chefs d'État, ils puissent peser dans les décisions. Ceci est extrêmement important. Nous attendons de lui cela. Nous attendons de lui aussi que sa voix, la voix des cinq présidents, s'ajoute à toutes les voix pour que les Sud-Soudanais nous écoutent, nous fassent confiance, pour que le leadership africain tienne. Je pense que c'est un problème de communication que les Sud-Soudanais eux-mêmes vont redresser. Le président Salva Kiir a fait des réserves. Il a paraphé. Il n'a pas signé, mais il a paraphé. Le paraphe est déjà un engagement. Je pense que de l'engagement de la paraphe, il avait besoin d'aller consulter. Il est allé consulter. Nous espérons que sans tarder, il va faire la signature. Je pense que le président Kagame va signer. Toutes les bonnes volontés, et le président Salva Kiir va signer. Toutes les bonnes volontés souhaitent qu'il signe. La phase après, qui est l'implantation, ne sera pas facile. Et là, tous les chefs, le président Salva Kiir va signer. Toutes les bonnes volontés souhaitent qu'il signe. La phase après, qui est l'implantation, ne sera pas facile. Et là, tous les chefs d'État que je viens de citer auront besoin d'être sur le terrain pour nous aider à son implantation. Voilà. Qu'est-ce que le président